Édite sur le volume et bon, et on avance. Nous allons commencer Monsieur, mon père, t'as fait quoi? Non, non, papa, là, j'avais tellement mal en disant que papa l'avait passé comme ça, il n'y a pas un dossier sur lui. J'avais mal. Il y a tellement la douleur du papa là jusqu'à demain matin. Je suis dit que veux la peau de dossier sur mon papa là. Ah, ça fait 3 ou 4, on me dit, mais tu passes à chaque fois, tu regardes ton grand, tu penses qu'il est clean? Mais attends, on va te donner le dossier d'eau de la SCG, où on va te donner tout ça là, tu vas voir le projet d'eau et tout ça là. J'ai dit, quoi? Ah bon? Il dit, oh, franchement. Passe à la direction, prendre le dossier sur Billy Bizé, passe au bureau. Avec Claude. Oh. 30 mois après, toujours pas d'eau au robinet. Oulala. Oulala. Bon. Je vais commencer d'abord par lui. Il est où? Je vais commencer par lui. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon, s'il vous plaît? Je vous en prie. Je vous en prie, est-ce que le volume est bon? J'étais à la SNI. Je me suis aussi arrêté à Glace. J'ai croisé deux personnes qui m'ont parlé de mon rire. Ils m'ont dit, non mais grand, ton rire là quand même. Quelqu'un peut, ton rire donne envie de rire et ton rire peut donner quelqu'un la vessie. D'accord. Bon, on sait tous que Billy Bizé était ministre de l'énergie, n'est-ce pas? Et d'eau du Gabon. Il avait engagé des entreprises, non? Pour la construction d'un réseau d'eau. N'est-ce pas? On sait tous que c'était à 450. Je vous dis, hein, je ne parle pas, mais je vais parler ce soir. Dites-moi si le volume est bon et je commence. Je vais dire comment ça s'est décaissé, comment on a pu amener Ali Bongo jusqu'en tombe, comment on a pu... Je vais vous expliquer tout ça. Mettez-moi 1 milliard de volume. Et je vais dire comment les rétro-commissions et autres, tout, comment ça s'est passé. Parce que sérieusement, les gars, moi je fais le travail et ils gagnent juste à la fin récupérer seulement les éléments. C'est tout. Parce qu'il faut expliquer aux Gabonais. Si on explique pas aux Gabonais, on va dire, oh non, on a arrêté mon oncle, on a arrêté mon père, c'est un règlement de compte, oh voilà, voilà. Il faut qu'on vous explique pas à pas pourquoi ton oncle ou ton père a été arrêté. On t'explique, voilà ce qui a été décaissé. Et le Gabonais comprenne, parce qu'il n'y avait pas une communication entre l'État et le peuple gabonais. Et les choses changent, il faut expliquer aux Gabonais. Et qui explique aux Gabonais, ce sont les leaders d'opinion. Donc voilà, je veux juste savoir si le volume est bon et on commence. D'accord, on va commencer. Lui, c'est Ali Bongo, Ondimba, père de Noureddine Valentin. Ok, 1 minute, on n'est même pas encore arrivé ici. Ça, c'est un autre dossier. Oh, oh. Ne commencez pas. Je suis encore un autre dossier. Non, 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 non,
Ne commencez pas. Je suis un autre dossier, ça c'est après. Ça c'est le acte 2. Arrêtez. Donc, comme je disais, Billy Bizet étant ministre de l'énergie et d'eau, voilà, avait engagé des entreprises pour la construction du réseau d'eau d'une tome jusqu'à Libreville pour un montant de 600 milliards. L'État gabonais a d'abord décaissé 150 milliards de francs CFA. Je ne veux pas de 150 milliards et non de 150 millions. Je veux pas de 150 milliards, pas de 150 millions. 150 milliards et non de 150 millions. Je dis 100 milliards plus 50 milliards. Donc 100 milliards plus 50 milliards, nous avons 150 milliards. Nous savons tous qu'au Gabon, tout est en milliards. Ok, est-ce que le volume est très bon? D'accord. Par la suite, l'État s'est endetté pour 300 milliards. En 2021, Billy Binzey et Nouredine, toujours Nouredine, parce que nous a dit, moi je vais parler, hein, ça ne suis pas le seul qui va tomber. Non, c'est qu'on lui dit, je suis informé, mais je vais tout dire, il faut que les têtes tombent, parce que je ne veux pas être ici seul, parce que je veux, les têtes doivent aussi tomber. Ceux qui ont reçu les retours commissions, ceux qui ont décaissé, ils doivent aussi nous suivre ici, là. Moi, je ne veux pas rester seul dans la chaleur. Donc, s'il vous plaît. Donc, en 2021, Billy Bizet et Nouredine, il a amené le président en tome pour inaugurer la station de distribution d'un tome qui devait alimenter tous les Libreville. Ensuite, et encore, un souci au président pour lui dire que l'on n'arrive pas toujours parce que des conduites d'eau qui datent depuis les indépendances, après avoir décaissé. Nouredine a basé son oncle. Nouredine est mauvais. Nouredine a dit de faire sortir tout le game. Oh, non. On peut vendre tonton comme ça, là. Oh, non. Tu es jeune. Tu n'as que 30 ans. Tu peux faire la prison. Comment tu alignes déjà tonton Billy comme ça? Il y a comme ça que vous avez vu. On nous a percé le goudron dans tous les Libreville. C'est comme ça, vous avez vu. Ils ont percé tous les Libreville, tout lui, pour échanger les cartes. Ah non, je vous jure que je ne vais pas vous laisser. Ah! Oh, même Franceville est connecté. Ah ça, le gouverneur, mais tout France, mais le Gabon. Non, vous avez dit que c'est un live privé uniquement pour les responsables. Et ça fait plaisir de voir qu'il n'y a que des responsables et des personnalités. C'est ça. C'est pas un live. Donc, vous voyez, le game est passé. Vous savez que quand Nono est déjà devant, Nono dit oui, effectivement, c'est quand même très vieux. Et quand l'eau coule au robinet, papa, tu as vu comment l'eau, les gens se plaignent. Ah, il dit ok, d'accord. Et il reconnaît que c'est quand même depuis, c'est quand même, et il y a une campagne qui est là, oh, le tuyau d'eau là. Parfois les gens, là, quand Billy est venu là, vous avez vu même que parfois quelqu'un ouvre l'eau, le lait comme ça, le lait. Tout ça là, c'était une campagne de communication. Oh, le Shiba est dehors. Mais non, mais c'est pas bon. Hein. Moi, ça me fait bizarre quand même de... moi, c'est un peu bizarre. Bon, c'est vrai que j'ai la douleur du grand, parce qu'il a dit qu'on vit au-dessus de nos moyens. Et on va lui montrer que celui qui vit au-dessus de ses moyens n'est pas nous. Parce qu'on n'a jamais accepté cette parole, cette phrase-là. Donc, voilà. Il faut changer tout Libreville, c'est ce qu'il a dit. Et le coût de cette opération a coûté entre 250 et 300 milliards. Et voilà, 300 milliards. Donc, l'État devait a déjà payé 60% du démarrage des travaux. 30 mois plus tard, pas d'eau dans nos robinets. Donc aujourd'hui, l'État a déjà payé 60%. Donc voilà. Où? À quel niveau? À quel niveau? Et nous allons faire l'audit de la surfacturation
et nous allons vérifier pour voir. Nous allons vérifier tout ça. Est-ce que c'était, ils ont changé point par point? Est-ce que tout a été refait? Quand j'explique, quand il fallait rechanger tout le réseau de distribution, c'était regarder les zones où les tuyaux sont rouillés, on change. Ou c'était dit que ça devait se faire comme ça. Après ce qui a été changé, ils ont changé point par point. Bon, ça c'est bon, on ne change pas ça là-bas, c'est bon. Voilà. Et déjà dans les 300 milliards que nous avons décaissés, est-ce que vraiment ces travaux-là, c'était vraiment 300 milliards parce que le dit voit aussi au niveau. Est-ce qu'on n'était pas au moins tout ça là, c'était au moins à 100 milliards ou dans les 80 milliards? Parce que on se dit que pour faire tout ce travail, on ne pouvait pas atteindre 100 milliards en fait. Moi, on ne comprend pas pourquoi on était déjà arrivé à, on était arrivé à 450 milliards parce qu'il a dépensé en tout 450 milliards, 300 milliards, plus 150 milliards, donc on était à 400 milliards. Donc quand vous avez vu le papa là avec le sourire, il y avait déjà 450 colos qui étaient dépensés, décaissés. Mais le Gabon a l'argent. Je vous jure que le Gabon a le mal au pognon. Quand tu fais des travaux au Gabon, quand tu ne mets pas le milliard, tout le monde se moque de toi. Il faut que ça commence à partir d'un milliard, 800 millions, 2 milliards, là, oui. Mais le Gabon, non, mais le Gabon, le pognon, quoi. Merde. Merde. Donc, le papa était dans la jovialité avec son neveu au calme. Pour ça, vous avez vu son arrivée a été négatif parce qu'il n'a pas pu produire, parce que le frangin s'était déjà, le grand s'était déjà mouillé, il s'était déjà mouillé. Vous avez vu, quand le grand regarde comme ça, il s'est dit, merde. Oh, les enfants l'ont emmené dans la sauce, quoi. Tremper, c'est tremper. Mais après, c'est normal, il est ministre. C'est normal, l'argent a été décaissé. Et après, on va vérifier. On va regarder les entreprises. Et dans ces entreprises, vous vous rendez compte que les entreprises qui sont derrière, ce sont les entreprises de qui? Qui sous-traitent Noureddine. Les entreprises de Aliou Saliou. Oh, mais merde, quel game, mon Dieu. Quel game. On décaisse l'argent l'État. Après, on positionne aussi nos entreprises. Donc, nos entreprises récupèrent le dos. Et chaque entreprise récupère son dos derrière. Est-ce que le volume est bon? Dites-moi si le volume est bon, parce que là, je ne parle plus trop. Est-ce que le volume est bon? Oui, l'argent de Gabon est intéressant. Ça ne peut pas. La sauce là ne peut pas tarir, c'est impossible. Intarissable, c'est impossible. Le Gabon, c'est même la sauce. Quand tu entends la sauce, imagine que nous avons l'argent depuis les années 67. Le Gabon a l'argent jusqu'à présent, ça ne finit pas. La sauce est intarissable. Mettez en commentaire que le volume est bon. Parce que en même temps, vous mettez la pression pour que je sois vraiment à l'heure par rapport à l'émission. Mais et sans oublier aussi les heures de couvre-feu hors d'Akanda, c'est à 21h. Moi, d'Akanda, c'est 22h. Donc, quand j'arrive comme ça, je comprends que c'est le week-end, chacun est chez soi. Et vous avez vraiment besoin de ça. Moi aussi, je fournis mon énergie. Donc, il faut qu'on aille un peu vite. Vous mettez le message et moi, j'avance. Sinon, je vous fais dormir tout de suite à 22h. J'arrête mon direct et vous allez dormir chez vous à 22h. Donc, c'est ce qui s'est passé. Bon. Patron et patronne, je me fais ma part à vous de faire le boulot. Nono a déjà dit comment ça s'est passé.
à vous là-bas de faire votre boulot. Dites à Wani Amboué que je suis en chemin. Son truc de BG fille de port gentil, là, il va voir. Dites à Wani Amboué, parce que il faut aider l'OCTRI et nous qui faisons la com pour ça, il faut les aider. Nous, on a fini. Bon, voici le grand dossier. Ça, c'est le grand dossier de ce soir. Le plus gros dossier du Gabon. Le meilleur dossier du Gabon. Ça, c'est Roselyne Chambrier, épouse Ngondjou. Donc, Roselyne épouse le fils de Ngondjou, qui est devenu ivoirienne. Ngondjou, qui est la sœur du nouveau ministre Paul-Marie Ngondjou, homonyme de son père. Mais Roselyne Chambrier, c'est la fille intellectuelle de Monsieur Chambrier, qui est la directrice de l'OLAM Côte d'Ivoire. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume monte? Donc aujourd'hui, ne pensez pas que forcément quand Chambrier fait son déplacement pour la Côte d'Ivoire, c'est pour aller voir Ouattara, comme d'autres disent. Effectivement, sa fille chérie se trouve en Côte d'Ivoire. Donc parfois vous avez des préjugés, vous attaquez les gens là pour rien, il va voir. C'est ça. Ça, c'est son carnet d'adresse à Côte d'Ivoire. Ok. Hein? Donc c'est ça. Mais nous avons, je voulais juste faire les présentations de l'arbre généalogique pour vous montrer comment ça se passe. Celle-là, c'est la sœur de l'autre, comme Yali et Pascaline. Et celle-ci, c'est la fille de l'autre. Maintenant, nous allons montrer dans le vrai dossier. Pourquoi Roselyne? Pourquoi elle? Voici le schéma. Je ne veux voir où j'ai la voix de douleur. La dernière fois, je présentais Monsieur Ongandaga Théophile, qui était le directeur adjoint de l'OLAM avant qu'il ne soit le directeur de cabinet d'Ali Bongo. Mais pourquoi Monsieur Théophile Ongandaga, qui était le DG de l'OLAM, se retrouve directeur de cabinet d'Ali Bongo? On n'avait pas compris le jeu. Dans la République mouillée. Donc, je comprends pourquoi Yatéo revient comme DC. Pourquoi? Parce que les enjeux du Gabon qu'on a dépensé 800 milliards, qu'on a dépensé 880 milliards de francs CFA pour OLAM. Les engins sont ressortis pour aller refaire la zone économique de Côte d'Ivoire, qui est celle-là, la DG. Est-ce que vous êtes au courant? Donc, les quelques engins que vous avez trouvés dans le Haut-Togo, la Sénégal, les engins sont ressortis. Mais comment? Demandez à Ngouta, à celui-ci, et à Nono, et lui, et celle-là, comment les engins sont ressortis du Gabon? Parce qu'aujourd'hui, les engins que vous avez vus de TP et de... C'est pas la marque c'était Caterpillar. Est-ce que le volume, là, vous sentez que le volume est bon? Répondez-moi. Le volume est bon? Poussez le volume. Poussez-moi le volume du milliard. Poussez-moi les 5 000 milliards de volume. Est-ce qu'il est bon là? Est-ce que là, vous comprenez déjà le jeu? Parce qu'on se plaignait. Comment nous avons... On a la route qui est bizarre. Les engins de l'âme, les engins qu'on a achetés, c'est où?
Donc, les engins sont ressortis. Ils sont allés refaire la zone économique pareille comme ici, en Côte d'Ivoire. Vous voyez la bonne relation entre Ouattara et Ali Bongo Ondimba. Je suis le cœur de l'information. Vous êtes les gars du BD, ils m'indolent le trou, quoi. Ils disent, toi, tu es un sorcier, non. Toi, il faut qu'on te décore, quoi. On doit te décorer, quoi. Parce que nous-mêmes, c'est-à-dire que quand tu veux, on n'a que l'argent, ça en rond. Tu dis, en fait, il y a le goût, quoi. C'est, en fait, il y a un petit goût, là. Tu vois un peu, quoi. C'est simple. C'est ça, le schéma. Elle, il n'y a pas de souci, elle ne travaille pas ici. Elle n'a pas de souci, la blanche. La belle, c'est ma petite soeur en plus. Elle est en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, elle bosse pour l'homme. Mais si les engins du Gabon sont ici pour se retrouver là-bas, ce qui veut dire qu'elle est informée. Forcément, parce que c'est elle qui est là-bas. Pour ça, elle est affichée ici. Mais celui-là, c'est le plus grand voleur du Gabon. Est-ce que c'est bon, là? Oh putain. Je sens que Billy nous a mal douleur. Il s'est dit, merde, le petit là. Il y a Billy, j'ai eu ta douleur. Tu étais là. Premier ministre, on va. Tu te baladais et tu es venu narguer tout mon peuple. Ton vu au-dessus de nos moyens. On va bien afficher. Tu vas venir dire où sont passés les 450 milliards là. Tu vas bien nous dire comment ta maison l'a poussé chez toi là-bas. Ta maison l'a poussé comme si c'était un champignon. Tu vas nous dire comment t'es. Toi, tu penses qu'on ne connaît rien. Pour continuer, on va bien t'afficher. Tu joues au modeste, en temps derrière, c'est toi qui ouvres. Donc, c'est ça. Mais le papa là va venir d'abord nous expliquer. C'est lui qu'il faut prendre, Nganaga. Parce que celui-là ne va plus revenir. Il ne va plus revenir ici, plus jamais. Il va d'abord nous dire où sont passées nos motos. Qu'il est même en train de faire la promotion. Qu'on a vu les saracolés, n'importe qui avait déjà la moto d'Olam. Ça, déjà, il faut savoir que ça, c'est l'argent qui est sorti du contribuable gabonais, ces motos-là. Donc, toutes les motos que vous allez voir avec les saracolés, là, il faut les arrêter et il faut râler sur la piste des motos, de retrouver, de retracer ces motos qui revendaient les motos. Il paraît que ce sont les maires qui revendaient les motos, des provinces qui revendaient les motos. Donc, si vous attrapez les maires des provinces et de quoi, vous pouvez retrouver ces motos parce que c'était dans 4 provinces. Pas les maires de l'Ivoire, c'était dans 4 provinces le projet Olam. Donc, vous pouvez retrouver les gouverneurs et les maires qui ont géré. Vous allez retrouver la traçabilité de ces motos. Je ne veux que vous servir le plat de l'information. Est-ce que le volume... Non, pas toi, je ne veux pas te voir. Je suis fâché contre toi. Je ne veux pas te voir pour le moment. J'ai pas envie de te voir pour le moment. Non. Il y a les 450 milliards là, je digère pas ça pour le moment. Je digère pas ça d'abord. Donc vous comprenez? Ouais, j'ai oui. Oh, j'ai trop la douleur de Nono. Nono a permis que le petit Océni me manque de respect. Et puis il était content. Quand le petit Océni m'a défié pour aller conduire Ali Bongo, Franceville, ils étaient contents. Ils m'ont balancé la photo pour que j'aie mal. Qu'il a relevé le challenge. Allez, vas-y, réagis. Où est ton fameux Njobi au coup le général? Je ne vais jamais oublier ça. J'ai dit qu'il va tomber. Et ça a commencé par le stade de Franceville quand ils ont perdu. Et aujourd'hui, mon Njobi a donné fruit. Qui a gagné? Est-ce que c'était le vaudou? C'était pas le vaudou, c'était le Njobi. C'était en terre gabonaise. Il n'est pas sorti du Gabon. Voilà, mes ancêtres m'ont rendu justice. Bon, c'est ça. Donc, pendant que nous sommes ici, nos petits et sa mère sont tentés de construire au LAM là-bas en Côte d'Ivoire. Lui là et sa mère en complicité avec
avec ce que vous voyez là. Donc Jean-Mario Nganaga doit sortir. La tax force que nous sommes en train de travailler là, il va passer nous expliquer où sont pas, où est passé le matériel, les engins de l'âme, les 475 engins de l'âme, et qu'il est venu bandir, que ces engins vont venir en vague de 40, de 40, de 40. Pour le moment, nous avons reçu 20 tractopelles. Il va bien nous expliquer. Donc, quand ça venait ici, à même sans ça allait en Côte d'Ivoire, vous allez bien nous expliquer ça. Bien nous expliquer ça au va. Est-ce que vous êtes chaud comme moi? Voilà. C'est un peu ça. Rien que ça, je suis content. Donc, c'est à peu près ça que vous avez vu le schéma. Donc, voilà. La fille de l'autre. Il est formé, hein? Le papa la sait. Il sait. Chambrier sait. Parce que la fille là se confie toujours à son père. C'est la fille, quand on te dit la fille et le père sont comme ça. Voilà. Donc, lui, elle-même là, elle sait. Elle est informée. Oui, ils ne sont pas forcément dans ça, mais ils savent. Ça veut dire que quand vous venez, quand tu les voyais crier, le Gabon c'est si, je pays là. Ça veut dire que lui-même, il savait qu'on en, il s'était informé, il savait, il ne parlait pas. Voilà. Ça, c'est le tout puissant. Lui est là. Donc, vous avez vu notre politique, c'est des ramifications et des ramifications. Un chambrier qui épouse un gonjo qui épouse un mibuto. Donc, vous avez vu que l'ongonjo est parti là-bas. Quand l'ongonjo quitte le Gabon, l'ongonjo va nous ouvrir un réseau là-bas d'affaires. Vous avez vu comment se trouve la chose. Donc, la maman là-bas, elle n'est pas n'importe qui. Vous avez vu comment ça se passe. C'est vous le peuple, vous êtes des moutons. Vous pensez que ces gens-là sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Ils ne sont pas avec vous. Ils ne seront jamais avec vous. Ils se battent pour leurs problèmes d'ego. Ils se battent pour leur génération, leur progéniture et non vous. Voilà. Est-ce que le volume est bon? Et on peut continuer. Voilà. Dit à Wanyamboué, qui peut se cacher. Il peut peut-être cacher le ventre, mais il ne peut pas cacher le dos. De dire ça à Wani Ambou et Koukou, le général dit, tu peux cacher le vent, mais tu ne vas pas cacher le dos. Il va te trouver parce qu'il a ta douleur. Tu vas venir nous dire ici. Tu vas venir nous parler de ça. On va t'afficher. On ne va pas laisser les autres passer le temps. Il faut qu'on aide les gens là. Il faut qu'on les aide rapidement. Le travail se fait rapidement. Rapidement, rapidement. Donc, bientôt, je suis en téléchargement sur POG. Dites à tous les barons de POG, tout SGPP, Sougara, tout le trafic qui se passe là-bas que je suis en téléchargement pour eux. Surtout, on va afficher Fouani Ambou qui s'est foutu de nous pour venir nous dire comment on va écailler le poisson. Pendant qu'il est là, il mange le milliard. Tu vas bien voir. C'est toi qu'on va bien afficher après Bidi Binizia. On va bien t'afficher. Tu vas bien comprendre. Donc, c'est ce que tu viens de dire ici, qu'on va écailler le poisson. On a libéré 1000 postes budgétaires. Tu étais au courant qu'on pouvait libérer 1000 postes budgétaires et tu viens de au Gabon. On va venir écailler le poisson. Tu vas bien voir ça. On va bien t'afficher. On va bien voir. On va vous afficher dans le respect. Hein? Dans le respect. Parce qu'en toute chose, il faut le respect des aînés. On va bien. On va faire ça dans le respect, en toute chose. Voilà. Pour ça, vous voyez que ici, il n'y a pas de manque de respect. On n'insulte personne, on ne parle pas de l'intimité des gens, on ne parle pas dessus de la ceinture. Ici, on explique simplement comme un corps. Donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Nono game papa avec les tontons, et c'est son travail. Il game toujours son papa avec les tontons.
Donc, Nono, aujourd'hui, après les enquêtes, nous réduit néanmoins dans 27 dossiers. 27 dossiers. Dans les 27 dossiers, il y a 15 dossiers où se trouve Mohamed Ali Salihu. Et quand vous savez Mohamed Ali Salihu, on parle. Mais ce qui est quand même bizarre, Yann Koudji, je ferai un live spécialement pour Yann Koudji. Un live spécial Yann Koudji, parce que là il est tard. Je vais parler de Yann Koudji par rapport à tous les rétro-commissions. Je parlerai de ça. Parce que tous ceux qui ont été mouillés, tous ceux qui ont été damés, ils ont affiché son nom, ils ont donné les heures, les trucs. Vous savez que c'est comme ça. Je ferai spécialement pour Yann Koudji. Je me repose. Lui, ce serait spécial. Ça veut dire que tout, au moins, plus de photos, uniquement tout ça là, ce serait Yann Koudji. Et merci à ceux que j'ai reçu vos messages. Ça me fait plaisir de dire, Okulu, on aime ce que tu fais parce que tu ne fais pas le bangam. Tu ne fais pas que tu vas exposer certains, tu vas essayer de carter, de te voir toi-même. Tu mets tes parents au devant de la scène. C'est ce qui est bien. Donc, tu ne protèges pas les gens, tu les exposes. Et c'est ce qu'on voulait depuis. Parce que la communication d'aujourd'hui, les gens, quand ils viennent sur les réseaux, ils veulent protéger. Et de savoir que toi-même, tu en as vu comment tu as fait sur les Syriens, comment en Djamie, comment tu as fait sur les Ngoulé, les autres. Ça, c'était bien. Voilà. Donc, Yann Koudji, papa, je suis à toi. Tu vas être le plus gros poisson, le plus gros poisson. Donc, ça veut dire que tu es de 2009. Non, j'ai dit, mais de 2009. Je vais calculer l'année que tu as été positionné. Puis, je vais enlever, on va enlever BGFI, BGFI n'a rien à y voir. On va parler de tout ce qui concerne notre contribuable gabonais. Avant même qu'Akobessi n'enlève, ne ramène le trésor là-bas, l'année que tu es arrivé, après PNTC et autres, tous ceux qui sont passés après, l'année que tu es arrivé, tout ce que tu as reçu comme rétro-commission et tous ceux qui t'ont donné les rétro-commissions, tout, on va, voilà, et les montants. Donc, même après, on verra si les rétro-commissions, voilà, si on va vérifier si ce n'est pas de la corruption, on verra aussi, on va regarder les articles et vous voyez le papa là, quand vous le voyez parler, vous voyez qu'il est énervé, non? Regardez Moussi, vous savez que Moussi, il est étouffé, c'est-à-dire que non, son audit là-bas, Maï Moussi, quand vous voyez le frangin, la tête, sa tête chauffe. Je te dis, c'est que lui, il parlait sur le plateau, mais c'est qu'il est venu voir en réalité, mais il se rend compte que mais les chiffres, c'est le triple. S'il pensait que les gars l'ont volé au moins 5 000 milliards, mais il se retrouve dans les 25 000 milliards, les 48 000 milliards. Les 400 combien de milliards, mais il se dit que c'est le pillage à haute mer. À haute mer. Vous voyez que le frangin, il vient l'expliquer au président. Non, monsieur le président, mettez toute la République en prison. Mettez-les tous, monsieur le président. Monsieur le président. Le pauvre, on t'a dit que reste en France. Ici, là, tu ne peux pas. Ici, là, tu ne peux pas. Ici, tout le monde est mouillé, même les évêques sont mouillés, les pasteurs mouillés, les imams sont mouillés. Il vient comme ça, la culture, il dit, monsieur le président, tout le monde est mouillé. Dans un pays, tout le monde est trompé, quoi. Il dit, comment ça, mais je vous jure que tout le monde ici est trompé. Il faut une nouvelle prison au moins de combien de... Non, mais il est en train de... Là, il est en négociation avec le président pour construire une nouvelle prison. Ça veut dire que à la fin de son mandat, il faut même déjà qu'on ait à 60% des travaux. Non. Il dit non, il faut une nouvelle... Non, parce que là, c'est... Tout le monde est en prison. Il n'y a pas d'espace. Là, le président disait sur son programme, nous sommes en train de voir un site
S'il faut aller à la Pointe-Denis, il faut voir un site où on doit construire une prison. On te dit que tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé dans la République. Ah, je vous jure. Je vous jure. Bon. C'est un peu ça. Après, je vous lis. S'il y a quelque chose que j'ai oublié de me dire, et puis on continue, s'il vous plaît. De me dire. Nous sommes. Voilà, il n'est que 22h45, vous voyez. Allez un peu plus vite. Allez. Les entreprises, nous allons parler des entreprises. Quand je vais parler de Yann Koudjé, je vais parler à toutes les entreprises, des hommes politiques, les DG, tous ceux qui ont des entreprises. Chacun a son entreprise. Lui, il a son entreprise. Tout le monde, quand tu viens, tu crées ton entreprise. On te dit, maman, c'est là où vous allez voir Seydou Kan va sortir. C'est là où je vais faire sortir Seydou Kan. Vous avez vu, je ne ferai pas, oh non, Seydou Kan a volé l'argent du Gabon, Seydou Kan, non. Je ne fais pas ce genre de choses-là. Non, je ne fais pas dans ça. Je vais vous expliquer la pyramide de Seydou Kan. C'est-à-dire que Seydou Kan, là, nous allons prendre au moins 1h30 pour Seydou Kan. Bon, on va au moins arrêter à 1h. Parce que j'ai envie de mettre Seydou Kan, Yann Koudjé, ensemble en fait. Et voilà, quand j'ai envie de faire la fusion. Pourquoi Seydou Kan? Vous allez comprendre la pyramide de Seydou Kan. Merci beaucoup, Delvis. Merci beaucoup. Je vais vous parler de la pyramide de Seydou Kan. Je vais vous parler de comment le papa l'a conçu. Si on vous dit que Seydou Kan est partout, partout, vous allez créer. Seydou Kan est partout. Où il peut faire ça. Où l'argent sans fond peut sortir, il va faire sortir. Même quand vous avez vu Mbolo devant les box qui étaient devant Mbolo, les box qu'on a cassées là, c'était Seydou Kan. Non, je vais vous faire sortir la pyramide. Vous allez comprendre. Je vais vous faire sortir le marché de Petit Paris. Vous allez comprendre Seydou Kan. Je vous dis que Seydou Kan, vous allez seulement dire. C'est-à-dire que je pense que chaque Gabonais va prendre son panier et vous allez aller vous asseoir chez Seydou Kan pour dire, rends-nous notre argent. Vous allez comprendre ça. C'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Laissez, non, pour ceux qui ne peuvent pas travailler sur Yann Koudjé, s'il vous plaît, je ne peux pas. En temps normal, parce que le travail de Yann Koudjé me prend un jour. Vous savez, il faut que j'explique comment Yann Koudjé est arrivé, en quelle année il est arrivé à BGFI, qu'est-ce qu'il a fait, comment il s'est retrouvé là, quelles sont ses ramifications qui ont poussé Yann Koudjé à revenir. Ah, voilà pourquoi. Dans chaque opération, Yann Koudjé n'est jamais tombé. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi Yann Koudjé ne tombe pas. Pour passer beaucoup veulent aussi la tête de Yann Koudjé. Je vais vous expliquer ça clairement. Calmement. Et sur un plateau. Le B2 est en train de travailler. Il y a mon grand frère Mvao qui est là, qui arrive. Tous les gars arrivent. Tous les gars, ils vont travailler. Attaque soit c'est là. Il faut les expliquer le schéma. Et quand les gars vont travailler, ils vont travailler propre. C'est fini. La République a besoin de moi. Je m'appelle le coup le général. La République a besoin de moi. Va. Ou bien, vous avez le game, non? Donc, papa Billy Binzé, tu nous décaisses 450 milliards pour un réseau d'eau d'un tour jusqu'à Libreville. D'un tour à Libreville, tu prends 450 milliards au contribuable gabonais. Monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a, papa? Mais qu'est-ce qu'il y a que tu dépenses 450 milliards comme ça, là? Nous aurions dit qu'il n'a pas mangé beaucoup dans les 450 milliards, là. Parce qu'il y a Yann Goulou aussi qui a pris sa part. Il a donné aussi un peu. À Mohamed Ali Salihou, il a donné aussi un peu là-bas.
Tout le monde a eu sa part. Mais qu'est-ce qu'il y a, papa Bibi Musée? Tu as partagé pour toi avec qui? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ta miette, tu l'as partagé avec qui? Mais mon nourriture n'est pas mauvais. Hein? Je vous jure, Nono n'est pas mauvais. Je vais d'abord juste punir Nono. Je vais d'abord bien punir Nono. Et comme il commence à parler, c'est ce qui est bien. Il a dit, il ne veut pas tomber seul. Il va dire tout, il sait tout. C'est bon, c'est ok. Il a dit, non, faut pas que tout ce que j'ai dit dans mes PV là-bas, on enlève certains noms. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ça va se faire. Nono, il partage. Quand il prend, il donne toujours à ses frangins. Nono mange toujours à Yann Gouli, mange toujours à ses frères, Ali, Mohamed, Abdoul. Il partage un peu. Nono était bien. Mais toi, tu as donné à qui? Papa, quand tu prenais pour toi, mais tu donnais à qui? Tu as donné à quoi? Tu as fait quoi au village? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Donc, c'était juste la rhétorique et l'éloquence. C'est ce que toi, tu as fait. Bien parler sur les plateaux. Mais tu ne voulais pas partager l'argent avec nous. Il ne voulait pas partager l'argent avec nous. Mais il est méchant, ce tonton. Tonton méchant, tu manges seul ton argent, c'est ça? Ok. Vous n'allez plus manger l'argent seul dans ce pays. Vous allez partager pour les autres. Ok. Mais je pense que les prochains voleurs, hein, les prochains voleurs ne vont plus être avares. Les prochains voleurs du Gabon ne vont plus jamais. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils donnent pour les autres. Si c'est mouillé, tout le monde tombe. Les prochains voleurs du Gabon, personne ne va manger seul. S'ils mangent, ils te donnent aussi. Mouillé, c'est mouillé, tout le monde. Vous avez dit, Nono est en train de les aligner. Nono est en train de les aligner. Et ça, je vous ai dit que le papa là, je vais faire de ça un chef-d'œuvre. Vous voyez le gâteau, quand ça arrive, le gâteau de mariage, je vais faire la pyramide. Il va. Voilà. Bon, merci à tous. Il est 22h et quelques. Je fais une pause. Donc, on va faire une petite pause. À tout à l'heure.